Bon, yes, un peu plus de temps. J'aime ça. Parce que, tu vois, il est déjà tout scellé la Christie enveloppe. Fait que. Là, c'est plate parce que là, je m'en suis pas rendu compte. Mais pendant une bonne minute. Bon. Fait que, Éric Langlois, à cette île, cet envoi va partir demain pour toi. Je vais quand même mettre le petit 6 secondes que j'avais avant. Fait que ça te permet de voir la carte avant que je l'emballe. Ça, par contre, ça m'embête. Donc, puis là, c'est juste parce que je veux pas recommencer, déballer tout ça. Fait que j'étais rendu à mon... à doubler le tape. Comme je dis, si tu ne la reçois pas dans ce packaging-là, c'est parce qu'à la poste, on va m'avoir exigé que je la mette dans une vraie enveloppe. Mais du temps que je travaillais au poste, c'était toléré, accepté. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Ouais, sauf que ça ne sera pas à 2,20$ parce qu'au poids, ça va être plus lourd que ça. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de dire que je faisais un raffle à la demande générale. Je dirais pas que ça me tente pas, parce que il y aurait un peu de mensonge. J'aime bien faire des raffles parce que ça fait de la vie, ça fait de l'activité. Ça me met en contact avec mes gens habituels et aussi des nouveaux. Ça, c'est toujours le fun de faire affaire avec des nouvelles personnes, d'agrandir son cercle d'amis et non d'agrandir le cercle de ses amis. Quoique j'ai rien contre les homosexuels. Donc voilà. Alors je parlais de faire un raffle d'une vingtaine de cartes comme ça. Donc des années des Canadiens et des Nordiques, toutes des cartes gradées de 1980. On parle de 84-85 au Peachy pour les Canadiens et 83-84 pour les Nordiques. C'est un lot dont le grading me revenait à 15$ la carte. Donc je le fais étant donné que dans un raffle on perd de l'argent. Je l'ai fait à 10$ le spot. Donc 10$ le spot, je paye inclus bien sûr. J'étais en train de penser à 2 spots pour 18, 3 pour 25. Là, ce que j'allais dire, je vais rajouter une Guy Lafleur des années 70, il faut que je me rappelle l'année, je pense que c'est 76, 75, dans ces eaux-là. Celle qui est Error, là, qui dit que Guy Lafleur il est défense. Ok, donc ceux qui ont le goût de me répondre, ah, c'est à l'année, ben sentez-vous bien libre. Alors voilà. J'étais même en train de penser à... là, à date, j'avais 24 cartes, je crois. Donc, faire 30 spots. Parmi les 6 qui ont rien, faire tirer... Il va falloir que je revoie ce que je disais, là, mais faire tirer de quoi? Je me rappelle plus c'est quoi je faisais tirer. Faire attention, parce que j'allais dans un party de la police où, il y a une année, ils faisaient tirer un noir. Là, cette année, ils font tirer un char. Enfin, c'est pas... Donc, voilà. Donc, je te mets ça à la poste demain. Puis, c'est ça. Donc, j'étais en train de dire, c'est le raffle, je vais le travailler parce qu'on me l'a encore demandé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à la demande générale que je le fais. J'ai des gens qui me parlent déjà de prendre des spots sans savoir ce que je mets parce qu'ils... Ben, un, parce qu'ils m'aiment bien. Deux, parce qu'ils trouvent ça sympathique, ils aiment ça. Puis, il y a toujours des belles cartes en bout de ligne. Puis,
C'est ça. Donc, regardez, je dis, si je fais pas ça, là, je sais qu'on est en période de break, de case break, de box break, que Upper Deck série 2 et Hot vient de sortir, là, puis tout le monde n'en a que pour ça. Mais il y a des gens qui m'ont demandé de faire un raffle, donc je vais en préparer un. J'ai pas, comme je dis, j'ai rien de à part les cartes, là, mais je vais travailler sur quelque chose pour rendre ça encore plus intéressant. Et donc c'est ça pour l'instant. Alors, je reviens sur mon cher Éric Langlois, à Lang Hockey Card. L'affaire est dans l'enveloppe. Dans l'enveloppe, on s'entend. L Packaging, qui va partir demain pour cette île, le pays de M. Selke, j'ai nommé Guy Carbonneau. Donc, voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais cesser de tourner en rond dans mes allégations. Donc, je te chiffre ça demain. Je te remercie encore une fois. J'ai très hâte d'avoir mes deux cartes. Et c'est un plaisir de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Et au plaisir. Ciao.